c'est parti sur ville-centre-ville, choix assez mitigé. Des culs verticaux, en veux-tu, en voilà, il y en a partout là. Entre le FB de Roy, les fromages de Rosalina, le FB de ZSS et autres joyeusetés de tout le monde. Alors la team atypique. Voilà, vraiment. Donc voilà, je pensais au NES de Demos, mais on continue ça. Ça ZSS. Bah je pense NES, déjà en double c'est fragile. C'est notre stage, le double saut, tout ça. L'autre évidemment, alors, moins l'occasion de tête garde parce que il y a tout le monde qui t'aide. Mais bon, ça reste quand même Rosalina en face. Donc en soi, je suis pas si étonné que ça. C'est vrai. Rosalina, on est bouclé, mais c'est l'appel au grade. Alors, il y a une travers de démos qui peut se faire. J'ai pas vu la dédicace à Jérémy. Togo est toujours là pour le spectacle. Oh là 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 là, ça c'est tout le monde qui a envoyé voler. Là, les coups de pointé sur le terrain, sur le bord. Méchant backer. Hein. Se fait backer à l'aise, très salement par Demos. Permet d'ouvrir le score tranquillement. Demos qui s'amuse un petit peu à passer sur le terrain. Je peux ouvrir les rocks. Encore un backer, un Demos qui les trouve bien. Oh joli ça, reprise de voler. Depuis la plateforme, il avait fait exprès de mourir pour se trouver à cet endroit, à ce moment-là, de manière à trouver le UR. C'est le fameux respawn kill. Pour le BF, voilà, il va pas se faire ses paniers. Il a pas mal de mobilité à possible. C'est pas Lucas non plus, mais joli ça, voilà le petit desmash dans le grab. Ça met des pourcents. Là, toutes les équipes qui se retrouvent à 4 stocks. Le Didi qui est paralysé, qui n'est pas frappé par l'équipe adverse. Une grosse phase de 35% avec comme starter le F-Smash de Roy. Déjà, ça commence à 21%, donc c'est normal d'arriver à 35%. Bien cher, 100%, bien risqué sur les dégâts. Il a mix-up un petit peu sa retour pour éviter de se faire avoir. Hop là, la laisse rock qui est... Oh joli, oh, oui, le B-up, il va choper avec le B-up, avec toute la rage qu'il a sur un perso aussi léger, ça sera un kill. C'est pas aussi puissant que le champion de Ryu, mais ça remplit un peu ce rôle et on va avoir un smash. Mick qui a perdu ses faibles invincibilités, qui s'est fait punir méchamment par les boss. Vraiment bien joué, donc égalité à nouveau. Voilà, petit peu avec les deux Roy. Oh là là, le Fogos qui est vraiment fourré au moulin. Un B-side pour qu'il creuille dans la gueule. Il edge cancel, il fait direct double saut backer, tout à fait. Onika, il va prendre le siège contre Roy. Tout à fait, vraiment bien joué. Pendant ce temps-là, Smith frappe son allié. Et Onika qui va perdre ce stock. Il y avait encore l'égalité au stock, et malheureusement, sur cette action, il se retrouve avec un assez large déficit puisque l'équipe 2 est loin d'être un des pourcents trop dangereux. Ok, il va prendre une petite ouverture, back throw. Mal spacé, donc le Mika qui a voulu suivre, mais qui a raté son coup. Le situation d'atterrissage, mais Nif ne finit pas très bien. Et du coup, malgré tout, un gros stage control au Mika qui, en jouant ce rôle de mur, souvent les TPS au sol, qui va start les combos, ou qui va se contenter d'un double saut vers ses follow-up, donne beaucoup. Oh, Luma qui était posé à l'avant du stage, et du 1-8 smash qui couvre les deux adversaires. Magnifique, le 2v2 dans toute sa splendeur. Situation très compliquée pour Rosalina puisque les deux persos, bon, ce multi-hit, Jab a failli se débarrasser de Luma, puisque les deux persos peuvent se débarrasser de Luma assez facilement. Voilà, un backer à l'aide. Mika qui a pas le choix, qui est obligé de vraiment très défensif à l'aide. Le grab qui était dans le mauvais sens. Le up throw tout neutre à l'air, ok. Pourquoi la protéger ? Sur très compliqué, Bedam qui va protéger de la manœuvre pour l'instant. Luma est de retour, c'est ce qu'il faut. En tout cas, il a vraiment besoin de se débarrasser du stock de Demos, mais évidemment, il sait que celui-ci s'y attend. Du coup, il se jette plutôt sur Fogos, il essaie de mettre un petit peu la pression. Luma tout faire à la poubelle. C'est compliqué pour Nika. Les deux joueurs de l'équipe bleue restent très patients. Ils ne veulent juste pas créer d'ouverture pour Nika. Ils disent, ok, bon, bah, je ne veux pas approcher, nous non plus. Et le problème, c'est qu'on a l'avantage. Ah, le père de. Cacahuètes qui vont laisser Demos ouvert et qui meurent presque sur un UR de Mika, belle présence d'esprit. Si jamais Mika arrive à se débarrasser de ce du stock de Demos maintenant, il y a vraiment encore moyen. En revanche, s'il se peut prendre dans un combo comme ça, le dernier coup qui touche pas, Luma qui start un combo sur Fogos. Oh là là, Mika qui a vraiment pas peur à ce stade. Il a fait un petit jab, il a dit attends, j'ai besoin d'un kill move, pas seulement juste un jab. Il a essayé d'attendre une réaction d'Emos. Il n'est même pas resté en Chine, il a juste regardé qu'est-ce que tu fais. Ça a l'air de Luma qui met Demos offstage. Ça permet à Mika de chercher un petit peu une ouverture sur le jeu de Fogos. C'est raté, le fer.
presque aux alinéas. Hein. Ça devient très très dur et voilà, Baker, tout à paire de ZSS pour sceller le premier match. Vraiment bien joué. C'était la part de l'équipe Chicha. C'était bien vu, mais malheureusement, il aurait vraiment dû se laisser ouvert sur une grosse ouverture, un U-Smash, un truc comme ça, s'il voulait se débarrasser du stock de Demos qui jouait très safe. Il n'arrivait pas à trouver une ouverture qui lui aurait permis de rester safe comme un UR, tout simplement parce que Demos restait les pieds fermement clampés au sol, sauf pour follow-up. Du coup, c'était vraiment très compliqué pour Mika. Il a réussi à faire monter la pression avec son jeu patient. Mais malgré tout, les Bleus n'étaient pas en reste. Ils ont vraiment créé leur ouverture très simplement et terminé ce stock sans prendre trop de risques. Tout à fait. Oh, il y a la rascasse. Il y a la rascasse qui nous regarde. Oh là là. Parfait. Et du coup, on est reparti. L'équipe bleue qui se casse directement dans un point. Stage control qui va à l'équipe rouge. Mais tout de suite, égalisation avec simplement 4-50% de l'équipe bleue. Je vais le dire, hein, les débuts de stock, c'est toujours un petit peu moins cher. Voilà. C'est sur l'avantage positionnel. Et en l'occurrence, c'est l'équipe bleue qui est plutôt au milieu du terrain. C'est ça. Boski prend la place. Il bouge tout autour de Hugo, sans aucun souci. La neutralaire. Oh là là, neutralaire qui fer de Bibi, c'est dégueulasse. Pas le droit que ça existe. Ah, dommage. Le grab de Mika qui n'a pas été énorme trop. Puis il a pas pu suivre Hugo. Pas de punition de la part de Yves qui voyait clairement une ouverture sur Fogos mais qui est resté un peu trop modeste, qui a pas fait un smash ou un truc comme ça et au final il a pas pu convertir. Liv qui s'est jamais plus donné de la tête sur F-Tip, il y a F-Tip qui tue à 139% de coup de coude. ZSS, voilà, c'est ça. Le coup de tasse, le B qui tue aussi. Il y avait un sale frame trap à partir de la down throw de Fogos. Fogos qui a suivi en full up en mode vas-y, je te le défi de dodge et de te prendre mon spike par la suite. Du coup, Hugo qui s'est dit, qui a juste dit non, continue là-haut, autant pour moi, continue sur moi. Et Demos était là pour cette version de non dodge avec un meilleur. Et le F-Smash nature. Il a appuyé sur un bouton. Ça. Le Wally combo. On a Mika qui a 154% et qui va maintenant, je pense, passer en face de Tony. Pour se prendre un backer de la Nifty qui frappe le mec, qui prend un coup de main. Voilà. La banane. Mika qui a frappé la banane du backer et Hugo quand même qui a profité du lag du backer. Le tuer avec le smash. Là, on se retrouve avec une égalité au pourcent au top. Là, Nif qui attaque son allié, son surtout la phase où Fogos s'est retrouvé tout seul sur la gauche du stage avec les deux joueurs rouges. Ça s'est plutôt bien passé pour lui. Les joueurs rouges se sont tapés l'un l'autre, ils ont mis la pression. Ils étaient effrayés en fait. Et du coup, ça a été un petit échange qui a fait que les rouges sont pas mal revenus au pourcent. Leur donnant même l'avantage. Et joli ça, le B-Note qui paralyse Nif juste au-dessus de l'edge. Oh là là, deuxième smash. Je vous allais ça sur une petite phase où Harmony a pris beaucoup trop de pulsion pour son poids. Et le smash. Il galère, hein. Il n'y a pas les ouvertures, il n'y a pas de toucher les combos. Il a placé un FT, il a placé un smash. Il n'arrive pas à setup. Joli, voilà. Extra smash direct de la part de Mika. Ouais. Il réagit juste à temps pour l'avoir avec l'arrière du hit. Oh, joli down smash tout vert, mais on voit bien le rire de ce vert. Oh, et le mec est très bien veillé par les boss. Mais pour se prendre, il a tenté un mix-up en atterrissage au donner. J'ai puni par Mika. Aïe, là c'est 3 stocks à 2. C'est pas infaisable si j'arrive à se débarrasser très vite du stock de Fogos, mais Fogos, comme on en parle, très rapide, il n'a pas à voir. Pour se balader, c'est ça, c'est très safe. Joli. Hop, un petit smash après le side B. Le Roy, il n'y a que Luma qui a touché. Et voilà, on a réussi à voir que l'équipe rouge a fini par se débarrasser du stock de Fogos. Égalisant, Nif, le problème c'est qu'il est déjà à 80%. Là, c'est les points où le drop peut arriver, hein, avec le DSS, avec le Nif. Nif, deux coups d'affilée. Demos qui a été souvent contraint sur l'ensemble de Smash, utiliser des rolls pour s'enfuir de la pression. Ça s'est plutôt bien passé parce que bien, c'est ça l'avantage en vie, tu peux utiliser une option assez punissable si tu la vois carrément, même si l'adversaire la voit carrément venir, tant qu'il y a ton mate à côté pour te couvrir. Et Didi, Didi avec sa banane, si tu roules derrière lui alors qu'il a une banane en main, c'est ultra safe parce que si l'adversaire, tu vas littéralement faire un rough comme un échec. Non seulement tu retournes sur une position défensive, mais en plus, tu laisses toute la longueur devant ton mate pour lancer une banane sur ton adversaire. Encore un des smash. Un smash, tout F-Smash.
de débauche. Et encore une fois, Onika qui va se retrouver en 1 contre 2. Sunuma s'est fait poubelliser. Ça va être compliqué, il va se prendre des cacahuètes, il va devoir. Tout à fait jouable quand même. Hein. C'est jouable, il a suffisamment de rage pour peut-être un smash sur un smash. Il va se le taf, mais malheureusement, il va se prendre des smash à la relevée. Tout bédard. Et du coup, la team Chicha qui gagne prend, sa place. La deuxième match à la team Rose Alum du Sud. Du Sud, tout à fait.